La veille de la chaîne humaine et du rassemblement Place de la République, bravant eux aussi l'état d'urgence, une trentaine d'activistes ont installé plus de 600 œuvres d'art, d'artistes français et britanniques, dénonçant la mainmise des multinationales sur les négociations climatiques de la COP21, en lieu et place d'autant de panneaux publicitaires. Ils s'étaient déguisés pour la peine en agents de l'afficheur JC Deco, sponsor officiel de la COP21. Bienvenue dans le projet Brandalism, contraction du mot brand, marque en français, et vandalisme. Comme ils l'expliquent dans leur communiqué de presse, les activistes entendaient dénoncer, je cite, « le rôle que la publicité joue en faisant la promotion d'un consumérisme insoutenable. L'industrie publicitaire nourrit nos désirs pour des produits qui reposent sur l'exploitation des énergies fossiles et qui ont un impact direct sur le changement climatique. De même que pour les négociations climatiques et les événements parallèles sponsorisés par les grandes entreprises, la publicité en extérieur permet aux plus riches de s'assurer que leur voix soit entendue au-delà de toutes les autres. » Fin de citation.